à vous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence où on va aborder la, la question de l'homosexualité sous un angle un peu différent puisqu'on va l'aborder à partir des, des discours et des oppositions à cette question avec notre conférencier euh, David Pastornot qui enseigne euh, la sociologie à l'ULB, qui euh, a publié divers ouvrages sur la question gay sous un angle ou sous un autre qui est vraiment au cœur de ses recherches. Je vous cite un ouvrage en français, Revendiquer le mariage gay, qui a été publié en 2011. Et cette année, il co-dirige un ouvrage qui va paraître, mais en, en anglais, il publie plus souvent en, en anglais. Anti-gender campaigns in Europe: mobile, mobilizing against equality. Voilà. Euh, je lui cède tout de suite la parole, comme ça, on aura aussi du temps pour la discussion tout de suite après. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à poser des questions ou à intervenir s'il y a des Après, choses je crois que ça va ah, comme vous souhaitez. Mais sinon, s'il y a des questions de compréhension, en tout cas, peut être. Alors là, c'est peut être. Il enfin, ne faut pas avoir peur de, de poser la question. Et donc, un grand merci pour, pour l'invitation. Donc, ce que je ferai euh, aujourd'hui, c'est un peu vous donner un, un avant goût, notamment de ce qui sera dans, dans cet ouvrage, puisque comme que je reviendrai dans un instant à partir de, de ce qui s'est passé en France avec la manif pour tous. Ben, euh, je me suis mis à travailler avec un certain nombre de collègues sur ces différents mouvements d'opposition qui, qui ont surpris beaucoup de gens et d'essayer de comprendre ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait derrière, comment c'était organisé. Et notamment ce qu'on euh, enfin, qu a fait dans l'ouvrage, c'est qu'on a, a pu réunir pendant euh, les deux dernières années des collègues de 12 pays en Europe. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quels étaient euh, ces mouvements, à quoi ils ressemblaient, comment ils s'organisaient dans les différents pays d'Europe. Voilà. Euh, en tout cas, l'Europe, vous verrez, c'est essentiellement, ça concerne l'Europe catholique et l'Europe orthodoxe. Donc euh, si vous expliquez ces mobilisations anti-genres dans les pays scandinaves, voire même aux Pays-Bas, personne ne sait de quoi on parle. Et ce n'est pas anodin. Euh, je veux dire, si ça se passe notamment dans euh, les pays qui ont une tradition catholique, c'est euh, pour des raisons très, très précises qui seront au cœur de, de l'exposé. Et par ailleurs, ça paraîtra peut-être un peu exotique en Belgique, puisque le type de mouvement dont, dont, dont on parle dans le livre est assez minoritaire en Belgique, est assez peu développé. Euh, un certain nombre de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas dans l'exposé, mais on peut en parler après. Bon, ça, par exemple, c'est le, le chapitre sur la Belgique dans cet ouvrage que j'ai coécrit avec deux collègues flamands où on essaye de comprendre pourquoi ces mouvements euh, ne, ne prennent pas ou n'ont pas pris, euh, pour l'instant en tout cas, en Belgique. Et donc là, je vous ai mis, euh, donc le titre de la conférence a changé beaucoup, donc je vous les ai laissé ce dernier titre, mais de toute façon, tous veulent dire la même chose. Donc là, je renvoie à la théorie du genre, donc la théorie du genre dont on nous a abreuvés dans le contexte de la manif pour tous, donc je reviendrai sur ce que c'est que cette théorie du genre en mouvement, et en mouvement, parce que la question c'est de savoir comment est-ce que ce discours est devenu un discours mobilisateur qui a amené beaucoup de monde dans les rues et qui donc fait sens pour un certain nombre de personnes. Et euh, en, en, a, en apéritif, si vous voulez, là vous avez la représentation, la, la caricature qu'ont qu qu fait à un certain nombre de collègues polonaises qui représentent ce que serait cette théorie du genre. Donc ça c'est un petit peu une représentation de, de ce que serait cette théorie s'il si, si fallait la représenter graphiquement. Et donc, pour commencer avec des choses que vous connaissez, donc, vous vous rappelez sans doute des nombreuses mobilisations contre euh, le mariage pour tous en France entre euh, 2012 et, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, 2016, on pourrait même mettre 2017, euh, mouvement qui est un des plus grands mouvements que la France ait connu au cours de ces 30 dernières années contre l'ouverture du mariage, l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe, et qui est venue comme une surprise pour beaucoup d'observateurs. C'est-à-dire si tout le monde s'attendait à une opposition, personne ne s'attendait à une opposition aussi massive et aussi longue, avec un mouvement qui s'est maintenu pendant de très nombreuses semaines et qui a continué à mobiliser les gens pendant pas mal de temps. Et pour cet exposé-ci, on peut aussi revenir dans, dans la discussion sur pourquoi ce mouvement a eu tant de succès. Je pense c'est en partie conjoncturel, c'est en partie lié à des, des phénomènes spécifiques dans le contexte politique français aussi. Mais euh, ici, deux choses m'intéressent particulièrement. Une chose, c'est un petit peu l'image de l'iceberg qui est venue euh, en surprise. C'est ce glissement qui a eu, très curieusement pour, pour, pour beaucoup de gens, entre la mobilisation contre le mariage entre personnes de même sexe, d'une part, et la question d'une certaine théorie du genre, ou en tout cas une insistance sur le genre. Alors c'était qu'à demi une surprise puisque les mêmes acteurs s'étaient déjà mobilisés avant le mariage pour tous sur la question de Manuel par rapport, euh, sur la question de, de l'éducation au genre, à la différence des sexes dans, dans les écoles, mais on a vu des panneaux, et là les français ont été assez innovateurs, donc vous voyez là le panneau, on veut du sexe pas du genre, donc les gens savent qu'il y a une distinction conceptuelle entre sexe et genre et les gens la mobilisent. Et je pense que les français ont été les premiers à avoir ce genre de, de panneau euh, comment dire, dans, dans les rues et à mobiliser là-dessus. Et vous avez un certain nombre d'affaires fiche que vous avez derrière moi, il y en a beaucoup d'autres, qui revendiquent la différence, euh, comment dire, une vision très euh, classique, pour ne pas dire conservatrice, des différences entre hommes et femmes. Et donc, c'était une surprise parce que faire le lien entre ça et euh, la question du mariage entre personnes de même sexe n'est a priori pas évidente. A priori, ici, on serait plutôt dans le domaine des relations hommes-femmes, pas dans les questions d'homosexualité. Euh, vous savez aussi que si on met des féministes ensemble ou des féministes et des militants LGBT ensemble, une des premières choses qu'ils risquent de faire, c'est de se disputer. Et la question des mères porteuses aujourd'hui est un excellent exemple qui montre comment est-ce qu'on a des divisions euh, fortes sur un certain nombre d'enjeux. Et ici, par contre, on a un discours associé en nous disant, ben en fait, le, mar, le problème du mariage, c'est la théorie du genre qui serait derrière, ou l'idéologie du genre. Et donc ça, c'était une première source d'intrigue importante pour, euh, pour, pour moi et pour un certain nombre de chercheurs avec moi. L'autre source d'intrigue, l'autre source d'étonnement importante, c'était qu'on a eu un mouvement de masse et un mouvement qui dure. Et là, je vous ai mis quelques images récentes, notamment pour la, la mobilisation de... De la dernière Manif pour tous au mois d'octobre, qui n'a pas été un franc succès de, 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 de foule, mais c'est tout à fait logique, parce que maintenir une mobilisation pendant 4 ans, personne ne maintient une mobilisation pendant 4 ans, même pas les syndicats, donc c'est tout à fait logique. Euh, par contre, ce qui est intéressant, et on le sait, et c'est ce que vous voyez avec la caricature de Kroll, c'est qu'aujourd'hui, les soutiens les plus fidèles de, de François Fillon, par exemple, c'est la Manif pour tous. Et euh, la, 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 comment dire, la transformation, la traduction politique de la Manif pour tous, qui est sens commun, qui est, qui est un mouvement qui aujourd'hui au sein des Républicains pour pousser les valeurs qui ont inspiré la manif pour tous. Donc, on a aujourd'hui un mouvement très important en France, un mouvement qui dure et euh, de manière intéressante, un mouvement dont personne n'avait prédit la force quelques années auparavant. C'est-à-dire, il est clair aujourd'hui que n'importe quel candidat à l'élection présidentielle en France à droite doit tenir compte de ce courant. Pas pour dire que ce courant va faire l'élection, mais qu'on peut difficilement gagner à droite sans prendre en compte ces voix-là, qui euh, donc représentent un segment important de, de l'électorat en France et de l'opinion. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a cinq ans, personne n'attendait. C'est quelque chose qui est venu comme une véritable surprise. Et par rapport à ça, bah, si on essaye de comprendre ce qui se passe, il y a un certain nombre de collègues qui ont travaillé là-dessus, qui, euh, qui ont essayé de, de comprendre euh, ce phénomène, en France en tout cas, et aujourd'hui vous avez énormément de publications qui sont en train de sortir là-dessus. Mais je pense qu'il y a deux écueils, et le projet qu'on a construit, et notamment le livre qui sort et d'autres publications, euh, viennent se construire contre ces deux écueils. Un écueil, c'est de réduire ce débat à un débat à l'axe gauche-droite. Et donc de dire que ben c'est la droite qui manifeste contre la gauche ou l'extrême droite ou la droite extrême, avec toutes les nuances que, que peuvent prendre ces termes, qui se mobilise contre un combat de gauche, ça me paraît réducteur parce que toute la droite n'était pas là-dedans et toute la gauche n'était pas nécessairement pour le mariage non plus. Donc il y a des divisions à gauche, surtout dans la gauche française. Donc on a de, euh, de réelles oppositions et le clivage gauche-droite ne s'applique pas, ne, ne, ne superpose pas euh, les gens qui étaient mobilisés contre le mariage. Autre élément qui est important, c'est euh, également ce qu'on appelle le nationalisme méthodologique. Donc, ça fait un terme très savant, mais un terme très savant pour dire, bon, c'est un travers dans lequel nos collègues français rentrent très souvent. C'est en gros oublier qu'il y a une planète autour de la France. Et donc, on explique les phénomènes français par des causes françaises. Et donc, on nous explique, c'est à cause de la hausse du chômage, c'est parce que les gens sont inquiets, c'est parce que voilà un certain nombre de phénomènes, sans se rendre compte avant tout que cette mobilisation française est tout sauf une exception française. Il n'y a absolument pas d'exception française, et c'est ce que je ferai dans, dans la première partie de l'exposé, c'est de vous montrer qu'en en fait, on a une lame de fond. Qui euh, traverse aujourd'hui un grand nombre de pays d'Europe et au-delà des pays d'Europe. Vous avez peut-être entendu que euh, le référendum sur l'accord de paix en Colombie a en partie été perdu par les partisans de la paix à cause du télescopage entre ce débat sur le genre et le débat sur la paix, dans la mesure où c'était les mêmes acteurs qui s'opposaient à ces, ce qu'ils appellent la théorie du genre d'une part et euh, à la question sur la paix. Et pas plus tard que la semaine dernière, un euh, million et demi de personnes ont manifesté à Lima, au Pérou, contre la théorie du genre aussi. Donc on voit que c'est un phénomène qui s'étend et on verra ce que prépare l'administration Trump. Il est probable que des gens comme son vice-président Mike Pence ou Betsy DeVos, la, la conseillère à l'éducation, soient aussi dans ce genre de discours. Il y a aussi des points avec les États-Unis. Donc on a un phénomène beaucoup plus large. Et donc euh, la France, dans ce contexte-là, n'est une exception que dans la mesure où ce mouvement a eu un succès en France que jusqu'à présent il n'a pas eu ailleurs. Et donc si on veut essayer de comprendre l'exception, c'est de comprendre pourquoi est-ce que euh, la France, le cas français, a été tellement couronné de succès alors qu'ailleurs, euh, bah, par exemple en Belgique, ça ne marche pas vraiment. Donc voilà, ça c'est un peu la question. Et donc ce que je ferai dans un second temps après ça, euh, donc après vous montrer le panorama international, c'est euh, essayer de comprendre c'est quoi cette théorie du genre, quel est le lien qui est posé par ces militants entre euh, mariage entre personnes du même sexe, théorie du genre et beaucoup d'autres choses, et d'essayer de comprendre d'où ça vient et comment ce discours se diffuse. Ou c'est quoi cette fameuse théorie du genre dont on a entendu parler énormément pas pour dire qu'elle n'existe pas, comme on dit à un certain nombre de collègues, parce qu'elle existe dans la tête des gens qui la combattent, sinon ils ne se mobiliseraient pas, mais pour expliquer quelle est sa genèse, faire un petit peu son, son histoire et expliquer d'où ça vient et ce que ça implique. Et donc avant de commencer, encore deux remarques importantes. Premièrement, il y avait cette discussion sur comment est-ce qu'on parle de ces mouvements on n'a pas vraiment euh, de, de termes clairs aujourd'hui encore dans la littérature. C'est un vrai débat où on est en train de se demander comment qualifier ce type de mouvement. Donc dans le livre, de manière très euh, comment dire, très neutre, on les a appelés mouvements anti-genre parce qu'ils se mobilisent contre le genre, donc c'est purement descriptif. Mais on peut discuter plus globalement. Et une des expressions qu'on trouve beaucoup euh, en, en France notamment, c'est l'idée de mouvement réactionnaire. Et personnellement, c'est une expression qui, pour des tas de raisons, me paraît problématique. Euh, parce que d'une part, elle est dans une logique très binaire, euh, donc on aurait les réactionnaires et les progressistes. C'est quoi les progressistes C'est quoi les réactionnaires euh, Analytiquement, c'est très difficile de mettre les gens dans un groupe ou dans un autre. Euh, par ailleurs, derrière ça, surtout, l'opposition entre réactionnaires et progressistes renvoie à un certain nombre d'autres oppositions qui sont très construites idéologiquement. Les réactionnaires, ben, c'est comme les conservateurs, c'est les gens qui défendent le passé, c'est les gens qui euh, défendent le statu quo, les, les acquis du passé, face aux progressistes qui iraient vers l'avenir. Quand vous voyez cette image choisie par la manif pour tous, mais qui n'est pas choisie au hasard, ces chaussures renvoient au changement générationnel de ces militants. Donc euh, peut-être ce sont des valeurs du passé, et encore on peut discuter, parce que qui a le droit de définir ce qu'est le passé, ce qu'est l'avenir. Deuxièmement, ce qu'on voit dans ces mouvements, c'est qu'il y a un renouveau générationnel important. Donc ce n'est pas un mouvement de personnes âgées contrairement à ce que toutes les études sociologiques avaient dit, on a un mouvement qui inclut une, euh, de très nombreux jeunes et de jeunes très mobilisés. Donc ça c'est un élément important où je pense que parler de réactionnaire risque de nous mettre des œillères sur ce genre de mouvement. L'autre problème, c'est que souvent, en parlant de réactionnaires et de progressistes, ben, suivant les milieux où on est, en général, mais même au, -delà des, au travers des milieux, les réactionnaires sont les mauvais, les progressistes sont les bons, et tout le monde veut être avec les bons et pas avec les mauvais. Et je pense que ce genre de euh, conception, ce genre de lunettes, ne nous aide pas à analyser grand-chose. Et, et donc je pense que c'est bien de s'en débarrasser euh, pour avoir une vision plus complexe. Et face à ça, je pense aussi... On a souvent une vision très binaire, donc on parle de mouvement contre mouvement ou réactionnaire euh, progressiste. Je pense qu'il faut accepter qu'on est dans une logique beaucoup plus multipolaire. Donc, je pense qu'on a découvert en Europe particulièrement, il y avait un peu cette idée en Europe très naïve qu'on allait nécessairement vers plus de droits pour les femmes ou pour les homosexuels. Alors des gens comme, comme Luc Ferry, quand il était ministre, disaient "Ben, bah, je suis contre le mariage pour le personne sexe, mais c'est le sens de l'histoire, c'est la marge de l'histoire." Bah, on, se découvre, on découvre maintenant que l'histoire n'a peut-être pas de sens, ou n'a peut-être pas de direction, que cette lecture téléologique du futur est problématique, et que du coup aussi, bon, d'une part, de quoi sera fait l'avenir Personne ne le sait. Et ce qu'on découvre par ailleurs en Europe, comparé à ce qu'on a aux États-Unis, par exemple, où la droite chrétienne est une force politique depuis très longtemps, aujourd'hui en pouvoir avec notamment le, le vice-président américain, c'est que euh, on a des forces en présence. Qui sont opposés, qui euh, ont des positions différentes et qui vont essayer de définir de quoi ça ferait le futur. Donc, de quoi ça ferait le futur, personne ne le sait. Il ne faut pas nécessairement être pessimiste, ça c'est l'autre version. J'ai des collègues qui sont totalement pessimistes. Mais on a aujourd'hui un combat qui est un combat de valeur sur des questions qui sont des questions éthiques et donc des questions qui euh, divisent beaucoup et qui polarisent beaucoup parce que ce sont des conflits de valeur. Ceci étant dit, il faut aussi faire attention euh, dans l'opposition binaire. Il n'y a pas deux camps, nécessairement. Il y a énormément de divisions des deux côtés. Il y a énormément de divisions entre ceux que certains appelleraient les progressistes et ceux que certains appelleraient les réactionnaires. Il y a des tensions, des compétitions pour les mêmes ressources, il y a des conflits sur des choses diverses et variées. Et c'est important aussi de comprendre ces divisions, de comprendre ces tensions. Par exemple, eh bien, il, y a, il y a deux semaines, euh, je suis intervenu au, au Parlement fédéral dans la, la conférence parlementaire qui euh, ouvrait, qui précédait la conférence She Decides sur le droit à l'avortement et donc sur le, le, le financement euh, de, des questions d'avortement et de contraception dans la coopération internationale. Mais le, le ministre Alexander De Croo est venu faire une conférence pour annoncer que la Belgique allait s'engager, etc. Ce que vous avez vu à la télé. Ces propos n'ont pas été bien accueillis par tout le monde autour de la table. Les gens étaient globalement d'accord avec lui, mais il avait une vision très libérale de ce genre de choses. Et d'autres gens avec d'autres options idéologiques, par exemple plus socialistes, ne se retrouvent pas entièrement dans son discours. Donc de nouveau, il n'y a pas deux camps euh, clairs, il y a des divisions. Et on l'a vu en France, par exemple, sur le mariage, la, la gauche était très divisée avec les sorties de Lionel Jospin, de son épouse Sylviana Gassinski, de Michel Rocard, contre le mariage pour tous, par exemple. Donc on a un, euh, un panorama qui est beaucoup plus compliqué que deux camps. Et je pense qu'il faut sortir de ça pour essayer de comprendre euh, ce qui se passe. Et donc, si on revient à euh, ces mobilisations, ce qui est important à comprendre, donc si on revient sur le cas français, c'est que les mobilisations françaises, d'une part, ne sont pas les premières. Et ça, c'est ce que vous voyez notamment sur cette image-là. Deuxièmement, elles ne sont pas les plus influentes nécessairement ou celles qui ont eu le plus de succès. Les mobilisations récentes en Italie ont été particulièrement couronnées de succès aussi euh, sur la question du, du partenariat. Donc, euh, on ne peut pas dire que la France serait le cas euh, ni le premier ni le, celui qui a le plus de succès. Donc, ce qui joue euh, beaucoup euh, dans le contexte français, je pense, c'est d'une part le statut de la France. C'est-à-dire, si quelque chose se passe en Croatie ou en Slovénie, la probabilité que ça arrive ici est très faible et ça va arriver très déformé. Donc, la, la France, ayant le point international de la France, c'est un, un impact important. Deuxièmement, c'est que cela arrive en France avec l'imaginaire de pays des droits de l'homme et de pays de la laïcité, qui, je pense, appartient à l'imaginaire, mais bon, ça, on peut en discuter. Euh, ben, ça, évidemment, ça a un impact ailleurs. Ça a un impact tant pour les gens qui voudraient s'inspirer de ces mouvements-là, qui se disent ⁇ si ça peut fonctionner en France, ça peut fonctionner n'importe où ⁇ Si on vous dit que ça fonctionne en Pologne, vous allez dire ben ⁇ bah oui, bien sûr, c'est la Pologne ⁇ Si on vous dit que ça fonctionne en France, vous allez dire ⁇ ah bon, peut-être il faut réfléchir ⁇ Donc c'est évidemment des caricatures, mais c'est comme ça que ça a été reçu par beaucoup de gens. Et, donc, ça, et également pour les gens qui tout d'un coup ont pris peur ou se sont demandé ⁇ mais qu'est-ce qui se passe là Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, il y a une lame de fond, il y a, il y a un mouvement qui euh, devrait nous amener à réfléchir. Deuxième élément important, c'est la connexion entre les acteurs français et les acteurs étrangers. Les acteurs français sont notamment très connectés aux acteurs aux États-Unis. Certaines des organisations qui sont derrière la manif pour tous ont des antennes aux États-Unis. Il, il, il y a des flux importants euh, entre euh, les deux pays, c'est-à-dire avec la droite chrétienne aux États-Unis, en grande partie et euh, par ailleurs, donc par exemple la Fondation Lejeune, vous connaissez peut-être la Fondation Lejeune qui est une fondation donc, du professeur Lejeune qui d'une part était un scientifique qui travaillait sur la trisomie, mais qui est aussi euh, par exemple celui qui un, un, une des personnes qui a beaucoup discuté avec le roi Baudouin sur la question de l'avortement et euh, qui, euh, la Fondation Lejeune aujourd'hui étant un des principaux bailleurs de fonds euh, contre le droit à l'avortement en France et un des principaux bailleurs de fonds de la manif pour tous, eh bien, euh, la Fondation Lejeune a une antenne aux états unis Il y a d'autres donc on sait qu'un certain nombre de, de connexions existent. Par ailleurs, un certain nombre d'acteurs français sont également très connectés au Vatican. On y viendra dans un instant. Un des pères de euh, la théorie du genre, le, le père et psychanalyste Tony Anatrella, par exemple, et quelqu'un qui euh, passe sa vie à voyager, en tout cas passait jusqu'aux récentes euh, critiques, aux accusations d'attouchement sexuel, euh, très récemment. Euh, le père Anatrella passait sa vie entre le Vatican et, euh, et, et la France, et notamment a été l'inspirateur de plusieurs documents du Vatican sur l'homosexualité. Donc on a ces acteurs-là qui sont des acteurs puissants. Euh, aussi. Et troisième élément important, et ça je, je vous montrerai quelques images dans un instant, les acteurs français ont mis beaucoup d'énergie pour essayer de construire un mouvement transnational, pour essayer d'exporter leur mouvement dans euh, d'autres pays. Et, et donc là je vous montrerai quelques images qui, qui vous montrent euh, cette circulation. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, et vous le verrez avec les images dans, dans quelques instants, on a un certain nombre de mouvements dans un certain nombre de pays qui partagent beaucoup de caractéristiques, qui se ressemblent. Qui se ressemblent au niveau des discours et je vous présenterai un petit peu c'est quoi pourquoi est-ce que le genre a quelque chose à voir avec le mariage pour tous d'une part euh, deuxièmement il se ressemble au niveau des stratégies au niveau de ce qu'on appelle dans, dans le jargon euh, en sociologie le répertoire d'action c'est à dire ce qu'ils font comme mouvement comment ils se le mobilisent donc ils font des manifestations des ma manifestations qui ont souvent un peu le, le même air c'est à dire on est entre la gay pride et le pique-nique familial avec une image très bon enfant avec euh, les, les dominantes de rose et de bleu avec la musique, avec voilà, cette atmosphère de fête, par exemple. Mais on a aussi le même recours aux pétitions en ligne, euh, au harcèlement en ligne d'un certain nombre d'élus, par exemple. Enfin, on a un certain nombre de techniques qui se ressemblent énormément à travers les pays. Et le plus flagrant, et je terminerai le panorama international par là, on a même la circulation des logos et des affiches. Les logos sont à peu près, sont soit exactement les mêmes, soit se ressemblent très fort d'un pays à l'autre. Et donc on voit une même source d'inspiration et on voit des répertoires, des choses qui voyagent énormément d'un pays à l'autre. Et donc pour commencer, je vous dis, les Français n'ont rien inventé, en tout cas ils n'ont pas été les premiers. On voit des mobilisations très semblables et où la question du genre va progressivement aussi être mise à l'agenda dès la moitié des années 2000, et on les voit d'une part en Italie et en Espagne, enfin d'abord en Espagne et puis en Italie, et on les voit aussi en Croatie et en Slovénie, dans ce qu'on a pu trouver. Et donc en Espagne notamment, c'est ce que vous voyez à ce moment-là, c'est quand euh, Zapatero est élu et dit bah, ⁇ je vais ouvrir le mariage aux personnes de même sexe ⁇ c'est quand Zapatero dit aussi euh, ⁇ je vais combattre la violence domestique ⁇ et la violence domestique, ce n'est pas juste un mari violent, il y a quelque chose dans les relations de genre qui fait que c'est en général des maris violents qui battent leurs épouses, et c'est rarement des épouses violentes qui euh, battent leur, euh, leurs époux. Et donc, euh, il y a, je veux aussi combattre la violence de genre, et à ce moment-là, c'est construit en Espagne. Un mouvement massif qui était à l'époque emmené par les évêques, par la hiérarchie de l'église catholique, notamment l'archevêque de Madrid, et qui a organisé ce que vous voyez ici, donc sur les deux images du bas, ces grands rassemblements au centre de Madrid, notamment ce qu'ils organisaient une fois par an, les messes pour la famille. D'ailleurs, c'est intéressant, le successeur, le nouvel archevêque de Madrid, une des premières choses qu'il a fait, c'est de supprimer les messes pour la famille. Euh, mais euh, ceci dit même le pape françois au début de son pontificat est intervenu par vidéoconférence dans ce genre d'événement donc de grands rassemblements pour défendre les valeurs familiales. à peu près en même temps en 2007 en italie romano prodi à l'époque euh, premier ministre italien voudrait introduire une sorte de pax en italie qui s'appelait le dico eh bien, euh, les milieux catholiques, de nouveau, ont, euh, se sont mobilisés euh, de manière massive. Une journée de mobilisation, ce qu'ils appelaient le Family Day, c'est l'image que vous avez au-dessus, et le projet a été enterré jusqu'à l'année dernière, quand il a été euh, approuvé par le gouvernement Renzi l'année dernière. Donc, on voit des mobilisations massives, et on trouve des mobilisations aussi, par exemple, en Croatie ou en Slovénie, notamment en Croatie sur la question de l'éducation sexuelle dans les écoles. C'est euh, un des autres enjeux qui, qui polarisent euh, énormément. Après, ce qu'on voit au-delà de ça, je vous ai dit le mouvement français est important, mais alors il y a au moins deux pays où on a vraiment une dynamique d'import-export. Un pays c'est l'Allemagne, donc vous voyez là. Mais euh, c'est les mêmes logos, les mêmes couleurs, tout est exactement le même. Donc on a vraiment des échanges. Alors en Allemagne c'est plus compliqué parce qu'il y a par ailleurs toute une branche populiste qui se greffe à l'AFD, à des mouvements comme Pegida, etc. Et les deux, euh, les, les deux mouvements euh, se, se renforcent l'un l'autre. Ce n'est pas exactement que ce mouvement-là. Mais là vous voyez ces dynamiques de, euh, de, de, de circulation. L'autre pays, et le pays où, où l'exportation s'est fait le mieux, c'est l'Italie. Et donc là, vous voyez, ben, par exemple, en haut, c'est la traduction telle qu'elle de l'affiche française. Et il y a eu plusieurs affiches françaises qui ont été purement et simplement euh, traduites. Et d'ailleurs, pendant longtemps, la, la, le mouvement italien s'appelait La Manif tous Italia avant de, de changer son nom en Generazione Familia. Mais ils avaient gardé le terme y compris en français. Et euh, avec un mouvement qui, qui s'est fortement développé. Donc là, vous avez les mobilisations contre l'enseignement du genre à l'école, des mairies, des communes qui se sont déclarées euh, anti-genre, comme vous voyez là, Santa Croce sul Arno. Ou vous avez aussi ce, cet autre mouvement qui là, c'est intéressant parce que ça a une origine française, mais les Italiens ont fait beaucoup mieux que les Français et c'est revenu en France transformé. Donc l'image du bas à, à droite qui sont les veilleurs. Les veilleurs étant donc le, le gouvernement italien voulait euh, proposer une loi sur l'homophobie, notamment pour la question donc, de la pénalisation des, des propos de haine. Qui n'a toujours pas été approuvé, parce qu'il y a eu un, un grand mouvement contre cette loi. Et donc, euh, suite à ça, des tas de gens se sont mobilisés sur le modèle des veilleurs français, mais en faisant quelque chose d'un peu différent. Donc, les veilleurs, c'était un des petits groupes autour de la manif pour tous, pour euh, proposer euh, ici, donc ce que vous voyez, les sentinelles que vous voyez là, qui sont en fait des gens qui prennent un livre et qui lisent en silence, debout sur les places publiques, en carré, pour défendre la liberté d'expression contre les lois antidiscrimination. Donc, en, en, en présentant donc tout ce qui est l'arsenal des lois antidiscrimination, bon, ça c'est un peu comme la NVA, en présentant ça comme des atteintes à la liberté d'expression des, euh, des citoyens. Et ce mouvement-là est un mouvement qui, qui a énormément euh, fonctionné en Italie et que maintenant on retrouve dans d'autres pays. On le retrouve par exemple en Slovénie avec exactement le même mode d'action. Et donc, voyez. Autre chose que vous voyez aussi dans l'import-export, c'est que les acteurs français voyagent énormément. Et ça, ce sont quelques-unes des images. Donc, vous voyez la dame qui est à peu près toujours en rose. Donc, Si vous ne la reconnaissez pas, c'est Ludovine de La Rochère qui est la porte-parole aujourd'hui de la Manif pour tous, une fois que, que Frigide Barjot s'est fait conduire par ses anciens camarades. Et donc, euh, Ludovine de la Rochère, au-delà de diriger le mouvement français de la Manif pour tous, voyage énormément et on retrouve son nom un peu partout dans toutes sortes de réunions euh, qui, qui sont idéologiquement proches. Donc, vous la voyez en bas à gauche à Madrid pour expliquer euh, comment la mobilisation française a été construite. Vous la voyez ensuite, si ma mémoire est bonne, c'est en Allemagne. Vous la voyez avec le pape François. Vous la voyez euh, de nouveau en Allemagne. Vous la voyez en Finlande. Et donc, elle a. Euh, il y a une photo en Italie, donc elle a énormément voyagé pour expliquer à la fois ce que euh, les Français ont, ont fait et aussi faire des liens. Vous avez peut-être entendu notamment dans ces liens, je n'ai pas l'image ici, vous avez notamment une, une initiative citoyenne européenne, donc les pétitions que les euh, citoyens européens peuvent introduire auprès de la Commission européenne pour que des questions soient mises à l'agenda. Il y a une initiative citoyenne européenne sur, euh, pour que, euh, pour, de défense du mariage hétérosexuel pour dire les choses rapidement. Et là, ben dans cette, les signataires, les premiers signataires de cette organisation, c'est intéressant parce qu'on a d'une part les responsables de ce, des organisations type Manif pour tous au niveau de l'Union européenne, je vous montrerai dans un instant, enfin je reviendrai là-dessus, et d'autre part, quelques responsables de mouvements nationaux, dont les Français. Donc on a les Français, les Croates, quelques autres. Et donc on a là un mouvement qui aujourd'hui se renforce, qui crée des ponts qui euh, essayent de s'organiser pas simplement à l'échelle d'un pays, mais aussi d'échanger entre pays. Et alors, si on continue au-delà de la question euh, de, euh, comment dire, de, de vraiment import-export, on voit que dans d'autres pays, les mobilisations ne sont pas très, très différentes. Ça, par exemple, c'est la Pologne. Alors là, ben, vous avez le logo polonais, il n'est pas tout à fait le même, enfin, il n'est pas très différent. Euh, vous avez donc le même type de mobilisation. Donc là, c'est le monstre gender, de nouveau, c'est les caricatures que les Polonais ont faites pour essayer de de, 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 de représenter cette soi-disant théorie du genre. Et là, vous avez aussi, bon en bas à droite, vous reverrez cette dame un peu plus tard. C'est une des mères de, de ce qu'on appelle la théorie du genre. C'est une sociologue allemande, Gabrielle Kubi qui notamment est venue aussi parler au Parlement polonais. Elle a été traduite en Pologne et elle a présenté beaucoup son travail en Pologne, puisque la Pologne a eu une commission parlementaire, enfin, l'équivalent d'une commission parlementaire sur la théorie du genre, où elle est venue notamment présenter ses réflexions. Autre pays où on a eu ça, ben vous voyez la même dame d'ailleurs, vous voyez la traduction slovaque du livre de, de la même personne. Et euh, ça, c'est euh, le, notamment le référendum constitutionnel sur le mariage qui a eu lieu en Slovaquie, où vous voyez euh, ben voilà les liens, donc les Slovaques qui renvoient la manif pour tous. Vous voyez l'intervention du pape direct dans les débats, en, en, les papes soutenant, euh, le, le pape soutenant euh, le camp euh, revendiquant l'hétérosexualité du mariage dans le référendum. Autre exemple, la Croatie, autre référendum qui a eu lieu aussi. Vous voyez, le logo, c'est encore une autre variété du logo, mais de nouveau, on est, ce sont des variations sur le thème. On est en gros dans une même gamme euh, à travers les pays. L'Irlande, ce n'est pas très différent, autre référendum. Donc vous voyez de nouveau les mêmes codes couleurs, les mêmes, les mêmes logos, les mêmes... Voilà. Et alors, au niveau Union européenne, ben, là vous avez l'initiative dont je vous parlais, Mumdat Kids, donc cette initiative citoyenne européenne. De nouveau, on retrouve des variantes euh, du même modèle. Et on a euh, aujourd'hui, d'une part, une activité accrue de ce type de mouvement dans les instances de l'Union européenne et euh, du Conseil de l'Europe qui a par exemple conduit à, euh, comment dire, au, au rejet de, 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 du rapport Estrella, qui était un rapport sur les droits sexuels et reproductifs au Parlement européen, où le vote a été perdu, ce qui a aussi été une surprise au niveau européen, l'équivalent de la manif pour tous au, au niveau français, des choses qui n'étaient pas attendues qui sont arrivées. Là vous voyez par exemple Frégide Barjot en visite au, au Parlement européen aussi, tout en haut. Et donc vous avez un certain nombre d'organisations, qui aujourd'hui, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de qui sont ces organisations, mais vous avez un certain nombre d'organisations qui travaillent à Bruxelles de la même manière que vous avez un certain nombre d'organisations qui défendent les droits des femmes ou les droits des personnes LGBT. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans le lobby européen, c'est-à-dire des organisations professionnelles qui connaissent le fonctionnement des institutions, qui savent comment se mouvoir et qui ont chacune, dans, je veux dire, des deux côtés, euh, qui ont leur relais dans euh, les institutions et qui essayent de pousser leur, euh, comment dire, leurs valeurs et leur agenda. Ce qui est intéressant, c'est que deux de ces organisations, ben, je n'ai pas l'image ici, mais deux de ces organisations, ben, vous en voyez une ici au milieu, European Center for Law and Justice et ADF, qui est l'Alliance euh, Defending Freedom, sont deux antennes européennes d'organisations venant des États-Unis. Par exemple, le European Center for Law and Justice est l'antenne européenne de l'American Center for Law and Justice, qui sont des organisations très anciennes déjà aux États-Unis, connues. Et, et d'ailleurs, dans, dans les deux cas, et certainement dans le cas de cette organisation-ci, la plus grande partie du financement vient de l'association mère aux États-Unis. Donc ça, c'est important aussi dans, dans les liens. Et donc, pour illustrer ce que je vous ai montré avec plein d'images, ben voilà, ça c'est un petit peu, c'est mon collègue slovène qui s'est amusé pour la, la conclusion de notre ouvrage à vous mettre les logos d'un certain nombre de ces mouvements. Ben vous voyez, vous avez en gros deux modèles, euh, mais vous avez des, euh, des, des logos qui sont extrêmement semblables euh, à travers euh, tous ces pays. Et c'est ce qui nous a interpellés, c'est de nous demander ben, qu'est-ce qui se passe ici Visiblement, on a un phénomène, on a quelque chose en commun à travers euh, ces différents pays. Et donc, par rapport à ça, la question, c'est ce qu'on s'est dit, ben pour essayer de comprendre ce qu'il faut faire, il faut comprendre ce que c'est que cette fameuse théorie du genre. Et donc là, vous avez les représentations par euh, le groupe euh, traditionnaliste catholique Civitas et par la manif pour tous avec Alter Ego. En sachant aussi que, suivant les pays, la théorie du genre, c'est l'expression qu'on a surtout en français, et bizarrement en slovène, euh, mais l'expression la plus courante, c'est idéologie du genre, et l'expression bon, c'est un terme qui vient du Vatican, je vous expliquerai dans un instant, euh, c'est euh, le terme idéologie du genre qui est le terme le plus souvent utilisé, mais euh, dans les pays germaniques, on a aussi genderismus ou anti genderismus, qui est un peu l'autre variante de, de cette notion. Et donc, ce qui est important de comprendre dans ce discours-là, en fait, c'est que quand on creuse un peu, on se rend compte que le lien qui est posé entre euh, genre et mariage, et tout ce discours sur la théorie du genre, est en fait un discours qui a été élaboré dans, euh, au Vatican, d'abord. Et puis un discours qui euh, a circulé et qui circule particulièrement bien quand il rencontre le populisme. Et ce qu'on voit aujourd'hui en Europe, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas très bien en Belgique, c'est que ce genre de mouvement fonctionne très bien dans les pays où les mouvements populistes de droite sont également euh, des, des mouvements qui fonctionnent bien. Et on, et on voit vraiment des, euh, des convergences et, et des appuis de phénomènes de résonance euh, des deux côtés. Et donc la théorie du genre, c'est quoi Eh bien deux illustrations. Donc de nouveau, je ne dirais pas que ça n'existe pas, parce que je pense que ça existe, puisqu'on fait même des conférences dessus. D'un côté, vous avez la définition de, une définition de la manif pour tous dans une brochure d'une vingtaine de pages que vous trouvez sur leur site internet, euh, où on nous dit que l'idéologie du genre est destructrice, obscurantiste, antisociale, antipopulaire, comme elle est antinaturelle. Donc elle est beaucoup de choses. C'est une citation que je trouve assez extraordinaire parce que ça doit être quelque chose de très important et de très dangereux aussi vu la, la définition qu'en est donnée. L'autre image qui est assez amusante, c'est euh, l'image de cette conférence. Donc, il faut savoir que dans, dans beaucoup de pays, particulièrement en France, en Italie, énormément de conférences ont été organisées, souvent dans des arrières-salles paroissiales, mais, mais pas toujours, sur ce que c'était que la manif pour tous. Et alors on a euh, cette représentation euh, pas, pas la la théorie du genre, plutôt. On a cette opposition intéressante entre la France de toujours, en couleur par ailleurs, et vous avez les représentations de l'amour courtois dans les livres d'heures d'une part, et puis vous avez, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, la philosophe Judith Butler qui arrive là, qui est considérée, à tort d'ailleurs, comme, comme, comme celle qui aurait inventé le genre, parce que ce n'est pas elle qui l'a inventé, loin s'en faut, mais qui est une des théoriciennes euh, importantes dans, en études de genre, et qui parle on ne sait pas très bien quoi, une espèce de confusion multicolore, et euh, tout d'un coup, la photo devient noir et blanc. C'est-à-dire, on, on sort du monde en couleur, de cette, euh, ce, ce monde courtois, et puis on arrive dans ce monde en noir et blanc avec cette dame qui, par ailleurs, est lesbienne et par ailleurs est juive. Et l'antisémitisme, dans certaines de ses critiques, n'est jamais très loin non plus. Euh, pour ne pas dire qu'elle serait antimaçonnique ou, ou maçonnique plutôt, mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, on retrouve le, le même genre d'opposition qu'on retrouvait dans certains mouvements euh, dans le passé. Et donc, je vous l'ai dit, ben, ce discours a une origine catholique. Donc, on le voit par exemple avec euh, ce discours célèbre du euh, pape euh, Benoît XVI, disant qu'il fallait euh, protéger les personnes contre elles-mêmes, donc notamment contre les transgenres, de la même manière qu'il euh, fallait protéger la, for la forêt tropicale, et donc en, en invitant l'extension du concept d'écologie non seulement euh, dans la défense de l'environnement, mais aussi dans la défense de la nature humaine contre, par exemple, le changement de sexe. Et puis là, vous avez ce que, ce que des, des collègues français se sont amusés à faire, la marelle qui a conduit, si vous voulez, aux différentes étapes de la construction de la théorie du genre, de ce que c'est que cette théorie du genre. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on creuse euh, historiquement, et, et on, ça, c'est assez bien documenté, en fait, il faut remonter à deux grandes conférences de l'ONU, qui sont la conférence du Caire en 1994 sur la population et le développement, et la conférence de Pékin en 1995. Ça, c'est l'image, les images que vous avez là, qui est la conférence sur les droits des femmes. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ces deux conférences onusiennes Deux choses importantes se passent. D'une part, l'ONU reconnaît les droits sexuels et reproductifs dans le discours onusien. Donc, notamment tout ce qui concerne la contraception et l'avortement. D'autre part, le terme genre fait une entrée, même si c'est un peu par la fenêtre, dans le discours de l'ONU. Alors, je dis c'est par la fenêtre parce qu'il euh, y a eu énormément de combats à ce moment-là. Le Vatican, enfin le Saint-Siège, à l'ONU s'est mobilisé pour essayer d'empêcher cette reconnaissance, euh, avec des interventions directes à l'époque du pape Jean-Paul II pour essayer de convaincre les chefs d'État catholiques de s'opposer. Et donc après des nuits de négociations, le terme genre a été introduit, mais alors quand on va voir dans les annexes de la plateforme de Pékin, le terme genre, c'est le terme euh, comment dire, tel qu'il est généralement euh, compris. Donc il y a une définition qui n'est pas une définition qui n'a pas été changé depuis. Donc vous avez aujourd'hui, ces jours-ci, à, à New York, les, les réunions qui, qui font toujours les réunions de suivi de, de, cette, de, de cette plateforme d'action, où la Belgique est représentée d'ailleurs par, par plusieurs ministres. Mais donc, c'est à ce moment-là que quelque chose se passe. Et alors, la dernière chose qui se passe, c'est que... Euh, le Vatican a très peur aussi que le terme lesbienne n'apparaisse dans les documents de l'ONU. Il n'apparaît pas, donc il est bloqué à la dernière minute. Il y a aussi des discussions nocturnes importantes pour, à ce niveau-là. Mais par contre, il y a une reconnaissance de l'autonomie sexuelle des femmes, qui donc peut aussi entraîner un, une, une liberté de choix de, de, de leurs partenaires. Et donc, dans ce contexte-là, le Vatican va comprendre, ou en tout cas va, va vivre, ce qui s'est passé dans ces deux conférences onusiennes comme une grande défaite. Quelque chose s'est passé, donc le Vatican euh, principalement, avec quelques alliés évangélistes et quelques alliés musulmans, n'a pas, pas réussi à bloquer ce qu'ils espéraient pouvoir bloquer. Et donc ils vont essayer à partir de là de comprendre ce qui s'est passé et d'imaginer une stratégie. Et la théorie du genre, c'est à la fois l'explication qui permet de comprendre ce qui s'est passé. Dans ces deux conférences onusiennes, et c'est à la fois la stratégie qui permet de contrer ce qui s'est passé dans ces deux conférences onusiennes. Et donc, pour vous donner une idée, donc ça c'est un ouvrage qui, a été, qui rassemble des textes qui ont été produits à l'époque par une journaliste américaine liée à l'Opus Dei, qui est une des premières qui va attirer l'attention, qui est à Pékin, qui se rend compte de ce qui se passe, qui parle de l'agenda du genre et qui donc nous explique, ça c'est une des qui ouvre son ouvrage, que sans fanfare ou débat, le mot genre a, euh, été, euh, comment dire, euh, est devenu le substitut pour le mot sexe. Et donc on avait l'habitude de parler de discrimination de sexe, mais c'est la discrimination de genre. Et donc les, les formes comme les applications de crédit. On... Et donc elle bon, explique tout ça. Mais alors ce qui est intéressant, c'est la fin. C'est quand elle dit bah, d'une part, le genre semble plus délicat et plus raffiné, mais en fait, ce changement, je vois qu'il y a une faute d'orthographe, donc ce changement, si, ne signa, si on pense pardon, que le, le terme genre, serait une renaissance de la sensibilité néo-victorienne, avec cette idée on parle plus de sexe parce que le sexe c'est sale, on parle de genre, en fait vous êtes complètement à côté de la plaque parce que ce changement et un nombre d'autres changements font partie de ce qu'on appelle l'agenda du genre et donc il y aurait un agenda du genre qui en gros serait un agenda caché, on ne se rend pas compte que c'est cet agenda qui a été mis sur la table dans ces deux conférences onusiennes donc une autre citation nous dit cet agenda avance comme un sous-marin, on ne le voit pas arriver mais c'est bien là et derrière des mots sympathiques, en fait il y aurait une menace importante contre euh, euh, les sociétés. Et donc c'est autour de ça qu'on a la constitution d'un discours, notamment par euh, ces quatre personnes, euh, qui va mener progressivement à, euh, en 2003 d'abord pour la version italienne et puis en 2005, à la publication de cet ouvrage par le Conseil Pontifical pour la Famille, le lexique des termes ambigus controversés, qui est un dictionnaire, d'un euh, certain nombre de termes éthiques qu'avec euh, euh, ce qu'en pense le Vatican et un certain nombre d'experts catholiques qui ont reçu euh, comment dire euh, l'imprimatur du, du Vatican et donc dans cette histoire là donc on, on connaît avant d'arriver sur ce que dit ce discours on connaît les, les étapes de production c'est-à-dire on a une idée enfin on, on sait qu'il y a un certain nombre de réunions on, on sait qu'il y a un certain nombre de rencontres c'est-à-dire qu'on voit une activité notamment dans, euh, au Vatican dans un certain nombre de dicastères et notamment aussi dans un certain nombre d'autres lieux comme par exemple l'université de Navarre qui, qui organise euh, le premier congrès sur l'idéologie du genre, université de, la, de Navarre qui est une université euh, de, dirigée par l'Opus Dei on voit un certain nombre de choses qui se mettent en place et alors là ben, je vous ai mis les quatre auteurs qui sont en général les plus cités les plus traduits et, et probablement les plus influents dans, dans ce discours-là, qui ont participé à l'élaboration euh, de ce discours. Bizarrement, on a deux Belges dans cette histoire-là, donc euh, personne ne connaît en Belgique, mais qui sont très influents. Donc si vous prenez la dame en haut euh, à gauche, donc ça c'est Marguerite Peters, qui est à la fois euh, à moitié belge, à moitié américaine, qui dirige une organisation de coopération-développement, surtout avec l'Afrique, euh, à Bruxelles, et qui également... Ces quatre personnes sont, enfin trois d'entre eux en tout cas, sont euh, consulteurs dans différents organes au Vatican. Sont euh, donc voilà. Si, si on regarde où ils vont, si on regarde le voyage, c'est des gens qui voyagent énormément et qui servent de euh, charnière entre toutes sortes de gens. Donc on a Margaret Peters, qui est sans doute à mon avis la meilleure auteure sur le sujet. On a euh, le monsieur en, en haut à droite, Michel Skoyans, qui est un professeur de philosophie euh, à la retraite de l'université catholique de Louvain, qui euh, a fait une grande partie de sa carrière au Vatican également. On a Tony Anatrella, que vous voyez en bas à droite, qui est ce prêtre psychanalyste français euh, dont je parlais euh, tout à l'heure, qui notamment en France est celui qui a le plus porté cette question de, de la théorie du genre euh, dans, et, et le plus tôt. Et puis alors on a euh, euh, en bas à droite Gabriel Kubik qui est cette sociologue allemande fortement traduite en Europe de l'Est, dont je vous ai déjà montré les traductions, qui, qui là euh, rencontre le, 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 le pape Benoît, et, et qui est également quelqu'un qui est extrêmement traduite et qui circule énormément. Si vous voulez la voir, elle vient en avril à Bruxelles, donc vous aurez l'occasion d'aller l'écouter si, si vous le souhaitez. Et pour l'anecdote, la, pour sa fille dirige une des principales euh, organisations de ce type-là au niveau de l'Union européenne, donc il y a aussi des affaires de famille. Et envoie son fils dans des réunions à Moscou. Donc voilà, c'est tout un, un très petit euh, monde euh, qui est assez intéressant. Mais donc ce discours, c'est quoi Parce que là, je vous dis, bon, on sait que des gens se rencontrent, on sait qu'il y a un certain nombre de choses, mais ça veut dire quoi Mais avant tout, le discours sur euh, l'idéologie du genre est avant tout euh, l'idée que c'est une menace anthropologique. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qui remettrait profondément en cause le fonctionnement des sociétés. Et pourquoi pas On peut dire, bon, l'idée, c'est qu'on change les repères de ce que c'est qu'un homme, une femme, de ce que c'est que le couple, de ce que c'est que la famille, de ce que c'est que la maternité. Et donc, l'idée, c'est que ce n'est pas simplement un changement, mais l'idée, c'est qu'il y aurait une menace. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui menace l'ordre des sociétés telles qu'on les connaissait jusqu'à présent. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un discours politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'idée de dire, bah, écoutez, il y a une menace que vous ne comprenez pas et donc il faut comprendre, de la même manière qu'on peut dénoncer le réchauffement climatique ou d'autres types de menaces. Il y a l'idée aussi qu'il y aurait une conspiration entre les gens qui font des études de genre, comme moi, les, gens, les militants LGBT ou les féministes, et qu'il y aurait une conspiration non seulement pour imposer leur agenda, mais également pour prendre le pouvoir. Et donc, c'est dans ce contexte-là notamment qu'on présente ce discours comme étant euh, en fait une, euh, une nouvelle forme d'autoritarisme, un cheval de Troie. Donc, on voit des représentations dans certaines affiches où on a le cheval de Troie avec euh, les aspects sympathiques, et puis on ne sait pas ce que ça cache. Et l'idée, par exemple, ce qu'on retrouve dans l'écriture de Tony Anatrella, que ce serait plus dangereux que le marxisme. Et qu'un prêtre dise que c'est plus dangereux que le marxisme, que c'est dangereux. Euh, donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et, et c'est un argument qui fonctionne beaucoup en Europe de l'Est également, euh, évidemment la, la référence au marxisme, au socialisme. Et donc ça, c'est une chose. L'autre élément important, c'est qu l'idée que c'est un discours qui est imposé par les élites. L'idée d'élites corrompues qui nous imposent toutes sortes de choses, qui nous imposent leur dévoiement et, euh, et leur perversion sur les braves citoyens honnêtes qui, eux, n'ont pas compris ce qui, ce qui était en train d'arriver. Et dans ce contexte-là, ce qui est important, je vous ai dit, ça vient de l'ONU, c'est l'idée que ces élites manipulent les institutions internationales pour imposer leur agenda. Les institutions onusiennes d'abord, mais également les institutions européennes en nous disant ben voilà pour, par exemple pour, pour reprendre certains je pense par, par exemple une de ces plateformes au niveau européen ben, l'union européenne souvent ferait euh, comment dire la promotion des tueuses de bébés et des sodomites genre de discours d'ailleurs qu'on trouve utilisé dans, dans ce genre de langage donc voilà donc c'est un petit peu l'idée que ce n'est pas simplement un changement anthropologique c'est un changement euh, politique important. Au-delà de ça, ce qu'on trouve également, c'est l'idée euh, du brave citoyen, donc l'opposition entre le brave citoyen et les élites. Bon, ça, ça sonne un peu comme Publifine ou d'autres choses du même genre. Donc cette opposition, ce décalage, c'est pour ça que je dis que ça fonctionne bien avec le populisme, ce décalage entre monsieur l'âme, tout le monde qui ne comprennent pas et ce qui se passe dans des hautes sphères. Ce qu'on trouve aussi derrière ça et lié à cette idée du citoyen mobilisé, c'est l'idée euh, du sens commun ou du bon sens opposé. À la science ou au dévoiement des élucubrations intellectuelles de genre dont on ne comprend pas ce qu'ils disent, et ce qui est sans doute vrai, parce que je pense que les collègues en études de genre, il euh, y a parfois un problème de pédagogie dans l'explication d'un euh, certain nombre de réflexions, mais en tout cas, l'idée que, bon, que toutes ces choses-là sont des élucubrations qui viennent s'opposer au bon sens ou au sens commun, à ce que les gens ont toujours compris face à des choses dont on ne sait pas très bien d'où ça vient, et qui n'ont ni queue ni tête. Autre chose qu'on trouve dans ce discours aussi, c'est l'idée qu'il y a une menace pour les enfants. Avec souvent l'agitation de la peur pour les enfants. On, on la trouve en, en France, mais moins. On la trouve par exemple beaucoup en Allemagne, on la trouve beaucoup en Pologne, notamment dans le cadre de l'éducation sexuelle. Et l'idée qu'il y aurait un endoctrinement des enfants, voire une euh, perversion possible des enfants, euh, qu'on trouve de manière très forte. Et, et donc euh, l'idée, voilà, euh, voire euh, la promotion de la pédophilie également. Donc ça, c'est parfois, si on va jusqu'au bout de ce discours, ce qu'on trouve dans, dans, dans ce discours-là. Autre élément euh, important, c'est aussi une remise en cause de mai 68, c'est-à-dire l'idée que ce discours vient en fait de l'héritage de mai 68, c'est-à-dire l'héritage de l'hédonisme, de l'individualisme, de la transformation des sociétés telles que euh, euh, se sont transformées en Occident. Et donc, contre cet héritage, c'est l'idée de remettre un peu d'ordre et d'autorité euh, par rapport à, 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 à l'héritage libertaire de mai 68 autre idée que l'on trouve également euh, par, par exemple en afrique mais que l ou, ou en europe de l'est c'est une idée d'un discours colonialiste par exemple pape françois parle rarement du terme idéologie du genre mais il appelle ça la colonisation idéologique terme qui n'est pas choisi au hasard, surtout euh, venant d'un pape euh, qui, qui vient lui-même d'un pays du Sud. Et euh, dans ce contexte-là, c'est l'idée que ce ne sont pas seulement des élites qui imposent ça sur, leur gens de leur propre, sur les gens de leur propre pays, mais que ces élites imposent ça à la Terre entière et que donc il y a de nouveau une nouvelle forme de colonialisme qui est imposée par l'Occident sur le reste du monde avec beaucoup d'argent, avec l'idée qu'il y a des fondations diverses et variées, donc surtout des fondations américaines, et surtout quand elles sont tenues par des financiers juifs, qui viennent promouvoir leurs valeurs un peu partout dans le monde. Et donc on retrouve là la réactivation d'un certain nombre de choses. Et par exemple en Europe de l'Est, ce discours anticolonial se double en général d'un discours anti-Union européenne. C'est-à-dire le principal vecteur colonial qui est vu par exemple en Pologne, c'est l'Union européenne, étant le vecteur de toutes sortes de ces perversions et un instrument d'imposition sur la société polonaise. Et alors la dernière chose intéressante, c'est la rencontre entre ce discours et le discours écologique. Je vous l'ai dit euh, il, y a un, il y a un moment avec le pape euh, Benoît. Le pape Benoît a commencé à travailler sur euh, l'écologie euh, avant le pape François. Et le pape Benoît avait directement fait le lien entre euh, la défense de l'environnement et la défense contre l'avortement, contre les changements de sexe, qui seraient des atteintes, par exemple, changement de sexe pour les personnes trans, serait une atteinte à l'environnement tel que créé par Dieu, de la même manière que euh, ce serait une, le réchauffement climatique serait aussi une atteinte à la création divine et ce discours ce lien est moins présent chez le pape françois mais si vous lisez son encyclique sur l'environnement Laudato aussi vous avez des paragraphes qui concernent toutes ces questions éthiques et qui poursuivent le lien entre écologie humaine et euh, ou écologie intégrale dans, dans les mots du pape françois et euh, ce discours contre le genre donc c'est toujours présent et par exemple, certains des acteurs de la manif pour tous euh, ont d'ailleurs publié récemment sur l'écologie humaine et, et, et publient beaucoup là-dessus. Donc on voit un certain nombre de liens et on voit un discours qui est très malléable, qui peut être adapté. Donc on a un, un tronc commun assez fort, c'est un peu ce que je vous ai présenté. Et après, suivant les pays, on peut adapter un petit peu les arguments, on peut euh, rendre un peu plus hybride, suivant à qui on, on s'adresse dans euh, chacun euh, de ces pays. Et donc ce qui est intéressant euh, dans cette stratégie, c'est qu'au-delà euh, de son discours, on n'est pas simplement dans euh, une contre-attaque, mais en tout cas dans une stratégie qui est une stratégie sur le, dans le domaine des idées. Et ce n'est probablement pas pour rien qu'on qu reprend les termes mêmes qui sont condamnés pour leur donner une autre définition. Donc ce qu'on voit par exemple en, prenant, en parlant d'idéologie du genre ou de théorie du genre, c'est qu'on reprend le terme genre. Que, euh, comment dire, euh, tel qu'il était utilisé depuis longtemps, avec pour les étudiants, ou les personnes qui ont fait des études de genre, énormément de définitions et de conflits sur ce que c'est que les approches en genre et comment il faut le définir, donc c'est pas qu'il y aurait une définition claire. Euh, mais dans ce contexte-là, on, on reprend ce terme-là et on lui donne un autre contenu. Et quand on creuse un petit peu de nouveau dans les documents, il y a, y a deux références qui sont assez intrigantes et assez amusantes dans, euh, le dans, dans, dans ce type d'ouvrage. C'est d'une part la référence à Gramsci, et d'autre part, la référence à Orwell, donc deux communistes euh, notoires. Donc, d'une part, Gramsci pour l'idée d'hégémonie, et on est tout à fait dans une euh, logique d'approche hégémonique, c'est-à-dire de bataille dans le champ des idées, et, et aussi de, de réhabiliter la place des idées et les, euh, les, les conflits qui se passent à ce niveau-là, ce qui explique cette stratégie discursive. Et d'autre part, on retrouve aussi la référence à Orwell de, de manière importante, et euh, si vous avez lu 1984, le concept de Novlangue. Et l'idée qu'en en fait ben, le genre, ça transforme les mots, ça transforme le langage. En fait, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. C'est un langage dangereux. Et derrière ce langage sympathique, on a une dimension totalitaire. Mais donc, on retrouve de nouveau dans cette référence à Orwell une référence qui concerne euh, les batailles au niveau des idées, au niveau donc de tout ce qui est de nouveau ce champ discursif et ce champ euh, des idées. <coughs> donc voilà. Donc ça, ça vous donne un peu une idée de où on vient. Ça vous donne une idée de où ce discours est produit ça n'explique pas comment ce discours se diffuse. Je vous ai dit cet ouvrage est publié en 2003, 2005 pour la traduction française. Aujourd'hui, il est traité, il est publié dans plein plein de langues. Donc le discours est prêt il y a déjà plus de 10 ans et il ne se diffuse que à partir en gros de 2012 et au-delà. Donc ce qui est important de comprendre, c'est bon, d'abord le catholicisme est une chose complexe. Donc quand on dit l'Église, c'est certaines franges de l'Église, essentiellement le Vatican, une partie du Vatican. Aujourd'hui, il y a des conflits importants, il faudrait voir qui fait quoi exactement, ce qui est toujours difficile à savoir. Les premières oppositions à ce discours sont sorties du giron de l'Église catholique, d'abord, et, et de catholiques qui, qui, qui se sont opposés à cette stratégie-là aussi. Donc ça, c'est important. Et et il ne faudrait pas non plus croire que euh, ce discours est télécommandé depuis un, une, une salle dans un palais à Rome. Euh, ce serait d'abord mal connaître. Ce qu'on voit, c'est que le rôle de l'Église, d'une part, est un, discours, est un rôle de production discursive. C'est-à-dire que l'Église a un certain nombre d'appareils, d'universités, d'organes, d'intellectuels qui ont une capacité de produire un discours. C'est ce qu'on voit. Et d'autre part, l'Église apparaît à la fois comme euh, offrant des canaux de diffusion et des canaux de mobilisation. Par exemple, dans le cas de la manif pour tous, ce qui est clair, par exemple, c'est que euh, souvent les gens sortaient de la, quasiment de la messe et montaient dans le bus pour aller manifester à Paris, c'est-à-dire que l'Église a offert son infrastructure que à peu près personne d'autre ne possède, en tout cas certaines parties de l'Église, et, et certainement dans le cas français. C'est une différence avec le cas belge où, à part Monseigneur Léonard, il n'y a jamais eu de volonté de l'Église de Belgique de rentrer dans ce genre de combat, mais euh, d'embrayer de, sur ce genre de, euh, de choses et donc de mobiliser à travers ces canaux là. Ceci dit, le fait que ça fonctionne par capillarité, le fait que ça fonctionne par toutes sortes de réseaux, de canaux de diffusion, explique en partie le temps que ça a mis. Explique en partie comment est-ce que, euh, c'est pas en 2005 qu'on a vu ce genre de mobilisation, on les a vus beaucoup plus tard. Et ce qui est important aussi, c'est que ça s'inscrit dans un certain nombre de euh, conflits et un certain nombre d'autres priorités au sein de l'Église catholique. Par exemple, si ça a bien fonctionné en France, c'est parce que en France, euh, ceux qui donnent le ton aujourd'hui dans l'Église catholique, et notamment les deux principaux prélats, Mgr 23 et Mgr Barbarin, sont parmi les franges les plus conservatrices de l'Église catholique. C'est une des raisons pour lesquelles en Belgique ça n'a pas tellement marché. Donc ça dépend de la configuration des églises dans euh, chacun des pays. Et ça s'inscrit aussi dans des projets plus vastes dans, avec lesquels on voit beaucoup d'intersections, comme par exemple ce qu'on appelle dans, dans le monde catholique la nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation étant la réévangélisation des territoires historiquement catholiques, mais où l'Église, sous le poids de la sécularisation, a perdu beaucoup de, de, de sa prééminence, c'est-à-dire l'Amérique latine et l'Europe occidentale surtout. Et on retrouve le même type d'acteurs, c'est-à-dire que les acteurs qui sont dans, engagés dans ce type de mouvement sont les mêmes types d'acteurs qui sont engagés dans la nouvelle évangélisation, par exemple. On retrouve le même type de stratégie, de discours, etc. Donc on voit vraiment des, des croisements entre ce type de, de projet. Ceci dit, je vous ai dit, ces mobilisations ont des fortunes diverses selon les pays. Et il y a des pays où ça fonctionne très bien et d'autres où... Euh, ben, voilà, on s'attendait à avoir quelque chose, ça ne fonctionne pas. Je vous disais la Belgique, mais en Irlande, c'est très limité. Euh, en Hongrie, ça ne fonctionne pas trop. Au Portugal, ça fonctionne moyennement aussi, alors que ça fonctionne très bien, ça a fonctionné relativement bien en Espagne, pas avec beaucoup de succès politique, mais succès de mobilisation. Ça a très bien fonctionné en France, ça fonctionne bien en Pologne, ça fonctionne bien en Italie, donc voilà, on a des fortunes diverses. Il y a un élément important à comprendre, c'est les intersections que l'on a aussi, et c'est là-dessus notamment qu'on qu travaille plus maintenant avec les collègues, avec le discours populiste et avec les mouvements populistes. Et là, il y a deux choses qui, qui sont euh, importantes. C'est d'une part, on a des acteurs populistes qui décident d'entrer directement dans le combat. C'est certainement le cas de l'Allemagne, par exemple, où on a des, euh, des, des acteurs qui, euh, comme l'AFD qui sont les fers de lance de ce genre de discours. Donc le parti AFD qui risque de faire un bon score aux prochaines élections allemandes. Autre exemple, c'est pas nécessairement les acteurs populistes ou les, les partis ou les mouvements populistes qui s'emparent de cette question-là, mais c'est beaucoup plus le même type de discours. Et ce qu'on a, c'est que le discours que je vous ai dit, les attaques contre les élites, eux et nous, Bruxelles qui nous impose des choses, ce genre de choses, euh, le phénomène du bouc émissaire. En fait, c'est le même type de discours qu'on retrouve et dans le discours populiste et dans le discours anti-gens. Et donc, ce qui explique aussi que dans l'opinion publique, ça fonctionne d'autant mieux que ce discours, on l'entend déjà sur beaucoup de choses. Et ce qu'on se rend compte, en fait, quand on compare les deux discours, c'est ce phénomène de rencontre entre euh, comment dire, euh, ce, ce, ces deux discours et, et donc cette possibilité d'alliance. Et c'est peut-être d'ailleurs une des autres raisons pour lesquelles en Belgique ça ne fonctionne pas tellement bien, puisque qu'est-ce qu'on a comme populisme en Belgique On a la NVA mais qui n'est pas mobilisée sur ce genre de choses et on a le PTB qui est un populisme d'extrême gauche. Donc on n'a pas le même type de discours populiste de droite qu'on aurait dans, euh, dans un certain nombre de pays, la France euh, en premier lieu. Et alors dans ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est que le genre en fait... Si vous voulez, c'est un point de croisement. Le, le genre, subitement, par exemple en France, permet le croisement d'un certain nombre d'acteurs qu'on euh, qu ne s'attendait pas à travailler ensemble et qui, sur d'autres questions, ne travailleraient jamais ensemble. Et, et donc, ça permet des alliances, des coalitions, objectives ou réelles, ça dépend les cas, entre des acteurs qui, euh, a priori, ne travailleraient pas ensemble. Et donc pour terminer, ce qui est, ce qui est important de, de retenir, je pense, c'est que dans ce contexte-ci, on n'est pas devant, euh, je pense, le, euh, le recyclage ou le dernier combat d'un acteur ancien. Qui pourrait être l'Église catholique, on est vraiment devant une nouvelle stratégie avec de nouveaux acteurs. Je vous ai parlé d'un renouvellement générationnel, notamment. On a euh, des nouvelles stratégies qui fonctionnent assez bien, qui circulent. Donc on a l'émergence de tout un, un domaine, de tout un, un, un mouvement d'opposition que, euh, que peut-être il y a 5 ou 10 ans, personne n'attendait et qui aujourd'hui se, se structure. Et donc ça, je pense c'est vraiment l'élément important euh, à retenir. Et, et donc de voir que ces mobilisations ne sont pas la réitération de phénomènes en plus anciens d'opposition. Ce ne sont pas non plus, comme on l'a dit parfois en France, les derniers soubresauts de certaines forces qui après vont disparaître et elles seront oubliées. Enfin, je ne pense pas que ce soit le cas. Et comme le mouvement dur, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais qu'on a des, des forces qui sont, ou des mouvements plutôt, qui sont euh, tout aussi présentes que euh, les, les défenseurs des droits LGBT, euh, auxquels l'avenir appartient tout autant que les défenseurs des droits LGBT, et donc il serait euh, un tort de croire aussi que ce sont des groupes qui euh, seraient euh, condamnés aux oubliettes de l'histoire une fois que, que la crise actuelle serait passée. Et voilà. Merci. Et alors si vous voulez plus, ben, voilà quelques publications sorties ou à sortir que vous pouvez consulter également. Et maintenant on a le temps pour les questions. Je remercie beaucoup David Paternotte pour son aperçu. Très clair de tous ces discours opposés au genre et de tout ce qu'ils impliquent. Je vous cède immédiatement la parole pour des questions ou des réactions. Alors bonjour, euh, moi j'ai travaillé à l'ULB aussi avec Laurence Rosier sur euh, un mémoire qui s'intitule Analyse linguistique et approche sociologique d'un événement discursif qui était le mariage pour tous, avec notamment l'analyse euh, de la presse, donc le pôle de gauche Libération, le pôle de droite Figaro, et au centre euh, le, le Monde, parce qu'il fallait faire un lien avec la section journalisme. Et. Au cours de mes recherches, euh, je suis tombé sur un groupuscule qui euh, fait référence à ce que vous disiez euh, en vitesse par rapport à l'écologie. Et ils avaient cette manière de mêler euh, les, les préoccupations idéologiques d'aujourd'hui avec également l'homosexualité. Donc c'était un mouvement qui, je ne sais plus comment ça s'appelait, je pense qu'il y avait le, le mot vert dans le titre. Et euh, donc il y avait ce mix entre euh, travail très euh, homophobe et... Euh, et écologie. Et je pense qu'ils étaient, tout bien réfléchis finalement, persuadés que euh, la théorie du genre n'avait pas lieu d'être, tout comme les préoccupations, je pense, euh, les préoccupations vertes, ou bien ils étaient pour le greenwashing, quelque chose comme ça. Enfin, je, je pense que vous êtes là pour éclairer ma lanterne. Vous avez entendu parler de ce groupuscule, et c'est assez intéressant, je pense, de voir l'idéologie justement qui est entre les deux. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de liens, il y a, il y a une volonté de créer des liens. donc euh, Ce qu'on voit par exemple avec. Euh, en France, il y a notamment eu l'ouvrage de Tuc dualderville qui est euh, un des responsables, donc, qui est le secrétaire d'Alliance Vita, donc une des organisations anti-avortement, mais qui est aussi une des chevilles ouvrières de la Manif pour tous. C'est une des personnes clés dans, dans toute la mobilisation qui a lieu autour de la Manif pour tous. Il a publié un ouvrage sur l'écologie humaine. Les veilleurs également ont publié des ouvrages. Donc il y a des liens. Alors les liens ne sont pas toujours les mêmes, mais c'est le même type de discours que celui qu'on voit au Vatican avec le pape Benoît ou le pape François, avec des liens divers. Par exemple, le pape Benoît, mais ça correspond à son pontificat, insistait beaucoup sur ces questions-là. Le pape François insiste beaucoup moins dans son discours. Alors, je vous dis, si on lit son encyclique, c'est toujours présent. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des paragraphes là-dessus et il n'y a eu aucun changement doctrinal à ce niveau-là euh, euh, sous son pontificat. C'est-à-dire la, la seule chose qui change avec le pape François, c'est un changement discursif. C'est dans, dans la présentation euh, publique du discours. Il n'y a, a eu aucun changement de fond sur ce que dit l'Église sur ces questions-là. Mais, mais donc, dans les deux cas, on voit cette association. Mais donc, en gros, l'idée, c'est euh, bah, qu'il y a des atteintes. que que, que l'être humain fait partie de, 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 de l'environnement, de, de la nature d'une certaine manière, ou de la création divine en tant qu'environnement, qu si on veut. Et donc, porter atteinte à cette création, à ce cycle naturel, à cette création divine que, que serait la nature, c'est porter atteinte à Dieu. Donc ça, c'est souvent ce qu'on trouve dans, dans ce discours-là. Mais donc, par exemple, changer de sexe, ce serait changer ce qui était le dessin euh, divin. Donc c'est ce genre de discours-là qu'on qu retrouve de manière assez importante. Après, ils ne vont jamais très loin. Dans, par exemple, si on prend l'encyclique de... de du pape François, l'audate aussi, ce sont deux, trois paragraphes qui servent essentiellement à répéter un point doctrinal. Donc y a pas, euh, il ne définit pas beaucoup pourquoi les choses seraient liées, mais il dit c'est lié et c'est s'opposer. Bon, la contraception, de la même manière, la contraception empêche le cycle naturel de la reproduction. Donc ça va contre euh, le fonctionnement de la nature. Donc on, voilà, c'est ce genre de discours-là qu'on qu retrouve associé. Et on a notamment en France des groupes qui ne sont pas très nombreux, mais on a des groupes qui articulent ces, euh, ces pensées-là, qui écrivent là-dessus et qui, et qui se mobilisent là-dessus. Ce n'est pas l'élément central dans ce discours-là, mais c'est une des variantes qu'on peut trouver dans un certain nombre de pays. D'autres questions ou réactions Bonjour. Euh, J'étais un peu étonné d'entendre ou de vous entendre parler aussi longuement à propos du Vatican, parce que, à mon avis, euh, je me pose la question de savoir si le Vatican est un interlocuteur valable pour cette théorie-là, étant donné que tout ce que eux disent, c'est une morale immu immuable. Donc, il n'est pas du tout question d'essayer de les convaincre de quoi que ce soit par rapport au statut de la femme. Ils ont dit depuis le début, dès les premières conférences de l'ONU, que non, ça ne. Ils se sont tout de suite opposés. Ils ont dit que dans leur théorie, ça ne valait. Ils avaient des raisons de croire ceci et cela. Donc, ils sont toujours en ce moment-là même, ils ne sont, sont toujours pas membres de, des nations unies, ils sont observateurs pour essayer de, de, de casser le jeu. donc, euh, je, ne sais, je ne sais pas comment on peut opposer l'évolution de cette théorie à ce que les, le, le vatican continue à prétendre, puisque, par définition, ils ne, ils ne changeront de toute façon pas leur point de vue. Ils changeront pas leur point de vue. Le, la position de l'Église n'a pas été historiquement monolithique. C'est-à-dire l'insistance le, sur les questions de genre et de sexualité, quelque chose qui est assez récent et qui euh, se développe dans le discours de l'Église euh, après la Seconde Guerre mondiale essentiellement, et qui euh, se renforce beaucoup sous euh, Jean-Paul II et sous Benoît XVI. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, l'Église, c'est pas qu'elle qu autorisait tout, mais elle était moins préoccupée par ces questions-là ou à d'autres époques a été moins préoccupée. Donc cette insistance, surtout sous Jean-Paul II, est devenue un élément centrale et ça c'est peut-être le changement que le pape François est en train de faire aujourd'hui c'est à dire de, de pas nécessairement changer les positions de l'église mais de plus en faire une question dont on parle tout le temps euh, et, et dans le discours de, de décider de, que d'autres choses sont plus centrales dans, dans le discours donc ici ce qu'il y a sur le Vatican bon le but n'est pas d'aller discuter avec le Vatican même si bon voilà ce serait amusant sans doute de, de le faire si, si on était invité, mais je ne pense pas que ça arrivera. La, la question, c'est plus de, de voir d'où vient ce discours. C'est-à-dire notre question a été de, ben, on voyait ce discours un peu partout et de remonter où il a été produit. Et, et ce qui est à peu près sûr, c'est que le Vatican, effectivement, a, a des positions qu'il a. Donc bon, ce qu'il fait euh, au, à l'ONU en tant que Saint-Siège, c'est en général, il bon, y, y a depuis déjà longtemps des coalitions euh, curieuses d'ailleurs, étonnantes entre le Saint-Siège, un certain nombre d'organisations euh, issues de, de, des mouvances évangéliques aux États-Unis, qui fonctionnent assez bien entre elles en fait. Euh, D'ailleurs, une d'entre elles, ben, le European Center for Law and Justice, c'est un, un, un catholique qui représente le Vatican auprès du Conseil euh, de l'Europe, qui, euh, qui travaille, qui est le chef d'une organisation qui est liée aux, aux églises protestantes aux États-Unis. Donc on a ces alliances-là. Mais donc il, le travail qui est fait, c'est un travail de lobby, c'est-à-dire c'est un travail surtout de mobilisation. D'un certain nombre de gouvernements. Donc, ce que le Vatican a essayé de faire à chacune des conférences de l'ONU, c'est de trouver dans les couloirs, parce qu'effectivement, ils n'ont pas, c'est juste un, un statut d'observateur, de trouver un certain nombre de pays qui pouvaient soutenir ou pas leurs revendications. Donc, ça, politiquement, c'est ce qu'ils ont essayé de faire à l'ONU. Maintenant, il y a un nouvel allié, ce que j'ai oublié de dire en terminant avec le populisme. Ce qu'on voit, c'est que ce discours anti-genre devient une doctrine d'État en Russie d'abord et en Pologne également, peut-être en Hongrie bientôt. Et ça, c'est un changement important. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement, c'est un changement que j'aurais dû ne pas oublier. Ce n'est pas simplement le fait que certains mouvements ont des alliés au gouvernement, comme c'est le cas avec tous les mouvements et de tous les temps où on a quelqu'un qui peut aider au gouvernement, c'est que ça devient le discours de l'État. Et certainement en Russie, c'est assez clair. Et donc, ce qui se passe par exemple à l'ONU, le changement par rapport à la situation il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le Vatican qui est le fer de lance de ce discours-là, c'est la Russie, euh, avec ce qu'ils appellent la défense des valeurs traditionnelles. Et donc, on a cette alliance entre euh, le Kremlin le patriarcat de Moscou, euh, le Saint-Siège, euh, un certain nombre de pays musulmans, de pays catholiques et d'organisations évangélistes, et les, les pays catholiques et les pays musulmans changent suivant les, les, les gouvernements qui sont au pouvoir à ce moment-là, pour essayer de bloquer un certain nombre de choses à l'ONU avec un certain succès. C'est-à-dire que les résolutions, par exemple sur le verre traditionnel, fonctionnent assez bien, donc il y, y a un vrai combat aujourd'hui avec des gens qui s'affrontent durement et sans savoir ce, ce à quoi ça va déboucher. Après, ce qui est sûr, le rôle du Vatican dans cette histoire-là, c'est surtout le rôle de producteur de discours. Donc, Il y a des gens qui disent, oui, le Vatican a financé, bon, j'en sais rien, je pense qu'il y a aussi une part de fabulation importante quand on parle du Vatican, et donc euh, ça, ça, je ne m'aventurerai pas là-dedans. Par contre, ce qui est clair, c'est que le Vatican a toujours des instruments de production discursive, et donc tout ce discours que je vous ai présenté, on le voit se développer. Dans le monde catholique, mais dans des gens dans le monde catholique qui sont proches de euh, des gens qui dirigent au Vatican. Parce qu'il y a d'autres gens et d'autres gens qui défendent d'autres choses. Et, et donc là, on voit ce, ce travail de production qui se fait entre 1995 et, euh, et 2002-2003. Et après, la question, c'est comment ça se diffuse Ça, c'est l'autre question. Et là, je suis d'accord, le Vatican n'est pas nécessairement le, le principal canal. Il y a d'autres canaux, il y a d'autres raisons qui expliquent pourquoi ça se diffuse et pourquoi ça fonctionne. Mais c'est vraiment le, la production des idées. Là, on peut dater, on peut trouver, il y a un certain nombre de documents, et on voit l'émergence d'un certain nombre d'idées. Et après, ce qui est important, c'est qu'effectivement, euh, sur le fond, il n'y a pas nécessairement de, de changement. Mais par contre, c'est que c'est une nouvelle stratégie pour défendre les idées qu'il défendait avant. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on crée un nouveau discours, une nouvelle stratégie pour éviter de bouger sur des questions comme l'avortement, comme l'homosexualité, etc. Et donc, c'est plus de l'ordre de la stratégie. C'est-à-dire, c'est pas un discours de fond. Je pense que ça les intéresse peut-être pas plus que ça, mais c'est comment est-ce qu'on emballe ça et comment est-ce qu'on explique ça. C'est surtout ça qui s'est passé à ce moment-là. C'est Ça, que je dis, c'est à la fois une stratégie et un cadre analytique. Mais ce n'est pas la position doctrinale. La position doctrinale, défense de la vie, etc., ça, ça reste, ce n'est pas, pas la même chose. Est-ce que ça éclairci D'autres questions ou réactions Je okay. vous redonne le micro parce que sinon on n'entendra pas. Oui, il en va de même pour le mariage des prêtres. C'est aussi un domaine extrêmement important et, euh, et que, qui est un, un, un sujet douloureux pour l'Église, pour ils ne sa, savent pas comment... Mmh. Comment se manier <laughs> Oui, et à ce niveau-là, ben ça c'est le genre de questions. Donc ça, il n'en parle pas dans le discours sur la théorie du genre, mais ça, ça renvoie évidemment au même type de questions. Euh, ce qu'on a vu, par exemple, c'est avec le, les synodes, les synodes sur la famille, où, où c'est pas très clair ce qui est en train de se passer dans l'Église. Enfin, ce n'est pas très clair ce que le pape François veut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'il change quelque chose, est-ce qu'il change pas Je pense qu'en réalité, personne n'en sait rien, sauf lui et les gens qui, qui sont proches de lui. En tout cas, sur ces questions-là, il change sur le gouvernement du Vatican, etc. Mais ça, c'est autre chose. Mais il euh, n'y a, a pas eu de changement doctrinal important. Mais par par ailleurs, il n'a probablement pas une marge de manœuvre très grande, c'est-à-dire il ne peut pas changer tout tout seul du jour au lendemain. Ce qu'on voit, c'est aujourd'hui des affrontements forts au Vatican sur ces questions-là. On a les conservateurs qui sont de plus en plus agressifs, qui attaquent de plus en plus le Vatican, et on voit, et on l'a vu dans le contexte du Synode, des combats durs sur des questions. Le mariage des prêtres fait partie, de, enfin le célibat des prêtres, tout ça, fait partie de, 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 de ces enjeux-là, ça c'est sûr. Et, et du coup, la question, là, au niveau de l'Église, c'est est-ce qu'elle va changer ses positions ou pas. Après, l'Église étant une organisation énorme, une chose, c'est que le Vatican change ses positions, l'autre chose, ces mobilisations-là. Il a fallu dix ans pour lancer les mobilisations, pour que ça se diffuse, donc ça veut dire que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain non plus. Il ne suffit pas que le Vatican dise c'est fini, pour que les gens rentrent chez eux, puisque maintenant, je dirais, ça échappe probablement à ce qui peut se décider à Rome, et euh, en grande partie, on a des gens qui sont mobilisés sur le terrain pour des raisons diverses et variées, et qui ont trouvé un discours qui fonctionnait. Mais peut-être pour d'autres raisons, c'est-à-dire aujourd'hui, quand euh, euh, ces, ces mêmes militants soutiennent François Fillon, on est très loin de la théorie du genre. Mais maintenant que ces gens ont créé un espace euh, dans la société française, ben pour des tas de raisons, ils ne vont pas nécessairement rentrer chez eux en disant euh, « c'est terminé ». D'autres voilà. questions Réactions Je me permettre alors euh, Par rapport à, à la Hongrie, si je vous ai bien... Vous, vous avez dit que la Hongrie n'a pas embrayé particulièrement la, dans ces manifestations mariage euh, anti-mariage pour tous, etc. Et en même temps que le, que ces mouvements-là anti-genre fonctionnait souvent avec le, les mouvements populistes. Or, il me semble qu'en Hongrie, on a un mouvement populiste très fort et un mouvement populiste de droite. Alors, mm -hmm. comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence là-bas alors, c'est une question. Là, je, je repose sur ce que mes collègues hongroises ont, ont expliqué et, et ont écrit. Mais il enfin, y a plusieurs choses. D'une part, on s'attendait à ce que ça se passe en Hongrie. On a eu les mêmes prémices. On a eu des prises de parole dans les médias. Un évêque qui dit quelque chose à un moment, euh, quelqu'un d'autre qui dit autre chose. Donc, on a eu des polémiques, même avec des, 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 des religieux catholiques qui ont pris position contre leur hiérarchie, en contre ce, ce discours-là aussi. Donc, on a eu des débats qui auraient pu engendrer des mobilisations. Après, il y a sans doute deux choses. D'une part, il euh, n'y a peut-être pas un besoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement d'opposition dans la société puisque le mouvement populiste est au gouvernement. Donc on pourrait imaginer plutôt un scénario comme on a en Russie où c'est le gouvernement lui-même qui instrumentalise ce discours à d'autres fins. Mais ça, ça ne s'est pas produit. Mais il n'y a pas une opposition. Ce qu'on voit dans les autres pays, c'est que ce sont des mouvements de citoyens qui utilise ce discours-là pour se mobiliser contre quelque chose. Et c'est assez intéressant, parce que suivant les pays, c'est souvent les droits LGBT, mais parfois c'est le mariage, parfois c'est le partenariat, donc suivant les pays, si on prend France, en Italie, mais c'est aussi l'éducation sexuelle, c'est aussi le droit à l'avortement, c'est aussi les violences de genre, c'est des tas d'autres choses. Et on a un discours qui est prêt, qui peut être calqué, qui peut être plaqué sur des tas d'enjeux différents, ce qui est assez fascinant. Mais ceci n'a pas lieu d'être en Hongrie, puisque aucune de ces réformes n'est à l'agenda. Donc, ça, c'est une raison. Autre raison pour laquelle peut-être Orban n'aurait pas utilisé ça, mes collègues s'attendaient à ce que ça arrive. Et on sait que la ministre de la famille hongroise va à tout ce genre de réunions. Donc, on voit son nom un peu partout elle voyage énormément. Donc, ils suivent ça. Euh, il paraît, des collègues avaient dit, ils avaient vu une photo du bureau d'Orban où il avait ce genre de bouquin sur son bureau. Mais en même temps, la crise des réfugiés a, a, a explosé, et donc il y a peut-être d'autres enjeux sur lesquels mobiliser. Donc la question que, que mes collègues hongrois se demandent, c'est est-ce que ce discours va euh, arriver bientôt, peut-être, quand il n'aura plus rien d'autre euh, à proposer. Et donc, ça c'est aussi l'opportunité politique de sortir quelque chose ou pas. Et c'est là je dis c'est conjoncturel. Si ça a bien marché en France, c'est parce qu'il y a eu un, un croisement d'un certain nombre de choses, dont notamment euh, d'une part la cacophonie au sein du Parti socialiste, qui n'avait pas de position très claire et qui allait dans un sens et dans un autre, et qui ne savait pas très bien comment gérer la réforme, et d'une autre façon aussi une opposition forte au président, et notamment euh, différents courants de la droite française avaient un intérêt à utiliser le mariage pour tous pour s'opposer au président Hollande. Donc voilà, ça c'est des raisons conjoncturelles qui, suivant les pays, peuvent changer et peuvent expliquer pourquoi on a euh, ça fonctionne ou pas. Merci. Ce qui ne veut pas dire, n'est pas parce que ça fonctionne pas aujourd'hui que ça va peut-être pas arriver demain. Ce qu'on voit en Amérique latine, enfin, discussion qu'on a avec des collègues en Amérique latine, qui me disaient non, on n'a pas encore vu tellement, tellement, et puis alors là, depuis un an, ça sort partout. Ça sort au Mexique, ça sort au Pérou, ça sort en, au Chili, ça sort au Brésil, euh, ça sort en Colombie. Donc c'est un truc qui se répand très, très fort. des questions Comme on est proche de la France, on, se, on compare souvent notre cas à celui des Français, et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se demandent comment ça se fait qu'ici on a l'impression euh, que c'est passé comme une lettre à la poste, alors qu'en fait en France il euh, y a eu un, un tel mouvement qui faisait euh, la une des journaux euh, chaque, euh, chaque jour, et il y avait au moins un reportage par semaine sur TF1, et euh, à tel point qu'on se demandait pourquoi ces gens se manifestaient pour ça alors que le, leur pouvoir d'achat était euh, plus en danger. Oui. Et alors, euh, com comment vous, euh, avec votre regard de sociologue, vous expliquez euh, le fait qu'en en Belgique, euh, ben, ça n'a dérangé personne et qu'on n'ait pas vu une manifestation Ou je me trompe peut-être je pense qu'il faut surtout pas, il euh, faut surtout pas en conclure. Et j'écris tout un chapitre sur la France qui, qui va dans ce sens-là. Que c'est parce que les Français seraient plus homophobes et les Belges seraient pas homophobes. Je pense que ce serait un raccourci et ça n'expliquerait rien du tout. Surtout, ça n'explique pas. Enfin, les gens peuvent être très homophobes et ne pas aller manifester. Ça n'explique pas pourquoi. Enfin, savez tous si vous avez fait des manifestations la difficulté que vous avez à mobiliser des gens pour qu'ils aillent manifester. Donc, il faut que ce soit suffisamment important pour que les gens se sentent interpellés et aillent perdre leur temps à une manifestation au lieu de faire autre chose pendant leur dimanche. Donc, ça n n'explique pas grand-chose. Et en plus, quand on regarde les chiffres, la France n'est pas... Euh, il peut y avoir des, des variétés dans la forme que peut prendre l'homophobie ou un discours homophobe en France. Notamment les liens avec la psychanalyse, ce genre de choses-là. Mais si on regarde les, les statistiques, par exemple les enquêtes européennes, les Français ne sont pas plus homophobes que les Belges. Ils sont plus ou moins au même niveau. La Belgique est un peu au-dessus de la France, mais, mais c'est la bonne moyenne européenne. Donc ce n'est pas une raison. Après, ce qu'on a essayé de faire par exemple, dans le chapitre sur la Belgique, c'est de. On avait trois raisons, et je pense qu'on peut en ajouter deux, deux de plus, qui expliquent pourquoi ça n'a pas très bien marché. Alors d'une part, il y a tout le système de euh, relations entre l'Église et l'État en Belgique. Qui, fait que, qui, a, qui a un peu sorti l'Église catholique de la politique, et certainement de la politique sur les questions morales, notamment au prix de son financement. Donc il y a, il y a une politique d'équilibre très précise. Et dès, par exemple, qu'on remet en cause le droit à l'avortement, ou qu'il y a quelque chose sur l'avortement, on a tous les laïcs qui sortent et qui se mobilisent. Donc toute cette politique de pélarisation crée un environnement très particulier et crée des rapports entre Église et État très particuliers. En France, avec la laïcité à la française, quel a été l'effet de la laïcité à la française C'est en sortant tout à fait l'Église du champ euh, de tout, du champ social, euh, l'Église française s'est radicalisée. Et on a une Église française beaucoup plus conservatrice et beaucoup plus radicale en France, notamment étant donné les modalités de construction de la laïcité à la française. En Belgique, l'Église n'a pas le besoin de ça. Elle a continué à organiser ses hôpitaux, ses universités, etc. Donc, c'est une organisation qui garde une présence sociale importante, voire politique, mais aussi avec un certain prix. Donc ça, c'est une des raisons. C'est tout ce qui concerne la, la pilarisation. Autre élément, c'est les débats internes de l'église de Belgique. L'église de Belgique n'a, euh, depuis le cardinal Sunens, ne s'est pas vraiment mobilisé là-dessus. Le cardinal Sunens euh, dirigeait l'opposition euh, à, à l'encyclique humanévité, notamment euh, du, du pape Paul VI, donc il a sur les positions euh, de, de genre et de sexualité, été un des fers de lance de, de l'opposition au Vatican et euh, le cardinal Daniel s'est poursuivi cette, cette, cette piste-là. Et il y a eu l'épisode Léonard qui était notamment un épisode du Vatican de la part du Vatican pour essayer de faire rentrer l'Église de Belgique dans ce qui était la ligne du Vatican à l'époque sous Benoît XVI, mais globalement, ça a été un échec cuisant à tel point qu'on ne a pas demandé de rester longtemps après et ça n'a pas marché en tout cas. La volonté de te refaire quelque chose de là, ça n'a pas marché comme ça a pu marcher dans d'autres pays. Et donc l'Église catholique belge n'est pas fortement mobilisée là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'elle adore les homosexuels ou qu'elle va bénir des mariages homosexuels dans les églises, c'est pas ça passe à la question, mais elle s'occupe d'autres choses. Ce qui est un peu aujourd'hui la ligne du pape François. Troisième question, c'est le timing. C'est-à-dire que quand tout, ça, quand tout ce discours était prêt, la Belgique avait déjà avancé sur un certain nombre de choses. Et donc ce discours et ces stratégies étaient sans doute prêtes trop tard pour comparer à l'agenda législatif belge. D'ailleurs, ce qui est intéressant, les groupes qui se mobilisent autour de ça, ils se mobilisent aujourd'hui sur deux enjeux. La GPA, les mères porteuses, parce que ça, il y, y a un débat politique et il n'y a pas eu de, de décision, et l'euthanasie. La Belgique étant le, le, roi, le, le fer de lance de la culture de la mort dans ce genre de discours, ce qu'on appelle la culture de la mort, en euh, favorisant l'euthanasie, compris pour les mineurs, etc. Mais c'est les deux enjeux, parce que c'est les deux enjeux qu'il y a. Et je pense qu'il y a au moins deux autres raisons c'est la question du populisme que je disais, donc cette intersection avec le populisme fonctionne mal en Belgique aujourd'hui. Parce que les acteurs qu'on pourrait qualifier de populistes euh, font autre chose et c'est pas le même type de populisme, etc., etc. Et autre élément important pour aussi se poser la question et particulièrement en Flandre, euh, vous avez peut-être entendu parler du concept d'homonationalisme ou de euh, nationalisme sexuel. C'est-à-dire l'idée de ce qu'on voit par exemple beaucoup maintenant aux Pays-Bas, y compris Wilders utilise les droits des femmes ou les droits des LGBT pour attaquer les musulmans et pour défendre son discours d'extrême droite. Alors c'est pas nécessairement pour défendre toujours un discours d'extrême droite, mais l'idée qu'aujourd'hui on défend les droits des personnes LGBT par exemple comme faisant partie des valeurs de ce que serait la Belgique. Et ça. Quand on connaît l'histoire conservatrice de la Belgique jusqu'à très récemment, ça fait rire, mais ça c'est une autre chose, mais c'est... Cooptation des droits LGBT ou d'une partie de ces droits LGBT dans, euh, comment dire, dans le discours étatique. Et ce qu'on se rend compte quand on fait la comparaison, c'est que les pays où on a cette cooptation, ce qu'on appelle le, le nationalisme sexuel, mais dans le sens de, euh, de dire que les droits LGBT font partie de ce que c'est que être néerlandais ou être etc. Mais les pays où ce discours est fort, eh bien, le, ce discours sur le, la théorie du genre est faible. On le voit surtout en Europe du Nord. Donc, ces associations marchent pas. Et ce discours de la théorie du genre ne fonctionne pas en Europe du Nord. Et par exemple, même si on prend le Front National français, où Marine Le Pen s'est mobilisée sur ce discours-là, en défendant les droits des femmes ou des minorités sexu sexuelles, notamment contre les musulmans, mais Marine Le Pen s'est tenue à l'écart de ça. C'est sa nièce, c'est Marion Maréchal Le Pen, qui a soigné l'électorat catholique, pendant que Marine Le Pen s'occupait d'un autre électorat. Et donc c'est intéressant aussi de voir, mais ça c'est vraiment une hypothèse, de savoir s'il n'y a pas un effet mutuellement exclusif entre ces deux types de discours et que si la prédominance d'un discours empêche le développement d'un autre discours. Mais ça c'est un point d'interrogation. Merci. Quelqu'un souhaite-t-il encore intervenir Dans ce cas, je remercie encore vivement David Paternotte. Pour son exposé. Je vous invite pour la dernière conférence qui, attention, ne sera pas le 10 avril mais le 24 avril parce que j'avais mal calculé les vacances de Pâques, tout simplement. Et euh, où on va recevoir Ludovic Zahed qu'on avait reçu il y a déjà un an avec Catherine. Je ne sais pas si. Euh, certains d'entre vous le connaissent peut-être, il va venir du sud de la France. C'est un imam euh, qui est marié et qui a créé près de Paris la première mosquée LGBT. Et il a fait sa, son doctorat en sociologie et en anthropologie sur cette question religieuse liée à la religion musulmane. Et on, ici, il nous parlera plus généralement du discours religieux par rapport aux droits des, euh, des, des LGBT. Donc, je vous invite vraiment à venir l'écouter et à inviter des gens autour de vous parce que ce n'est pas. Enfin, c'est quand même assez rare et assez exceptionnel d'avoir l'occasion de l'inviter. Voilà. Merci encore et au, au mois prochain. thank